Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je t'en prie, Larry. Oh, désolé pour les bruits intempestifs, j'ai mon chat qui vomit. Bon. Et donc, on commencera un Thessalonicien à partir de demain et on continuera dans Psaume. Je vis où? Je suis à Nantes. Alors, on va lire un petit peu un passage dans ce livre-là, Prier avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Bonjour Mireille, comment tu vas? On est rendu au jour 6 de la semaine 3 et on est en train de voir le Notre Père. Bonjour Bob, ça commence à quelle heure? Ça commence à 7h. Donc ça fait 10 minutes à peu près que je suis en live. Ça va, je te remercie Mireille. Tentation et délivrance. Ne vous faites pas entrer dans l'épreuve, mais délivrez-nous du mauvais. Matthieu 6, 13. Mon passe-temps favori réside dans l'art de taquiner le goujon. En d'autres termes, je pratique la pêche à la ligne. Je fixe la mouche à l'hameçon, que je lance ensuite sur l'eau avec l'espoir de capturer une truite d'un coup sec. Certains des appâts que j'utilise s'enfoncent dans les eaux pour être plus près des poissons qui nagent en eau profonde ou dans des torrents impétueux. D'autres flottent à la surface du lac ou d'un cours d'eau calme. Les uns ressemblent à des insectes qui éclosent à certaines périodes. Les autres sont grossiers. Quelques-uns sont si petits qu'ils se confondent avec des moustiques. D'autres si imposants qu'ils sont capables de faire une bosse à l'arrière de ma tête si je ne fais pas attention en les lançant sur l'eau. Mais tous ne visent qu'un but, tenter et séduire le poisson. Est-ce l'idée que vous vous faites de la tentation? Dieu est-il un habile pêcheur qui adapte l'appât à vos points faibles? Vous le présente-t-il d'une certaine manière pour voir si vous saurez résister? Bon, sachant que Jean est enclin au commérage, essayons l'appât numéro 12 et laissons une rumeur chatouiller ses oreilles. Voyons s'il mord à l'hameçon ou s'il se garde de tomber dans le piège. C'est quoi ça, quoi? Dieu ne nous tente certainement pas ainsi. Mais alors pourquoi dans cette prière axée sur les nécessités primordiales de la vie, Jésus a-t-il enseigné à ses disciples à demander de ne pas entrer dans l'épreuve ou selon une autre formulation plus courante à ne pas entrer dans la tentation? Il se peut que la peur de l'épreuve nous incite à établir une distinction entre la tentation et la mise à l'épreuve. Qui lit la Bible à 7h? Bah écoute, moi et beaucoup de personnes, parce que c'est super de commencer sa journée nourrie par la parole de Dieu. C'est la base. Tu devrais essayer, ça marche pas mal. Ça fait du bien. Donc je t'invite à t'asseoir et puis à m'écouter. Enfin là, c'est pas la Bible. Et oui, même avant de dormir, ça bug, non? T'as peur de quoi? T'as peur de quoi, Larry? ouais, c'est après, c'est dangereux ça de
d'être tellement dans le mal que tu peux faire confiance à n'importe qui. Fais confiance plutôt à Dieu, déjà, à la base. Parce que lui est digne de confiance. Il faut montrer le visage. Je sais pas quoi. Mon visage à moi. Ah non, moi je montre pas mon visage. Regarde, t'as mes mains déjà. Non, je vois pas. Je vois pas pourquoi je montrerais mon visage. Ça ne t'inspirerait pas plus confiance de voir mon visage. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui fait peur, hein? Mon visage? Non, je rigole. Qu'est-ce qui fait peur, Larry? Je continue. Il se peut que la peur de l'épreuve nous incite à établir une distinction entre la tentation et la mise à l'épreuve. La tentation sous-entend un appel à faire le mal. La société et parfois l'Église ont tendance à décrire la tentation sous ses formes les plus aguichantes ou excitantes comme le sexe, la drogue ou le pouvoir. Or, la tentation se présente sous des formes beaucoup plus subtiles. Nous sommes plus enclins à succomber aux tentations dans le cours normal de la vie lorsque nous rabaissons les normes éthiques ou que nous ne manifestons plus la force de caractère dont nous sommes capables. Les tentations nous assaillent quotidiennement sans que Dieu ait besoin de jeter l'appât. Mais délivre-nous du mauvais. La prière modèle de Jésus brosse de Dieu le portrait de quelqu'un qui vient nous délivrer de la puissance du malin, sinon de sa présence. Il est facile d'identifier l'incarnation du malin dans des événements aussi cruellement inhumains que le massacre des Arméniens en 1915, la Shoah, le génocide rwandais ou l'attaque contre les tours jumelles du World Trade Center. Lorsque le méchant ou le malin prend ce visage, peu de gens sont tentés de rester ses alliés ou de se faire ses défenseurs. Mais il existe d'autres formes de mal dont Dieu doit nous délivrer, un mal qui se part parfois du vêtement de la respectabilité, de la popularité ou de la religiosité. C'est le mal qui nous fait garder le silence lorsque devant nous des êtres humains sont ridiculisés ou abusés par crainte que notre intervention en leur faveur nous fasse courir des risques à nous-mêmes ou à ceux que nous aimons. Ce mal se commet parfois sous le couvert du nom de Dieu pour justifier tous les préjugés, la cupidité et l'irresponsabilité personnelle. Bonjour Susanna. Merci à toi. Ouais, 24 avril 1915. 11 septembre. Ouais. Délivre-nous du mauvais. Si vous et moi nous formulons cette requête du Notre Père, c'est que le règne de Dieu n'est pas pleinement établi sur terre. En effet, à ce moment-là, cette requête n'aura plus aucun sens. Aujourd'hui, nous savons où nous sommes tentés dans le déroulement de notre vie, où la foi et la fidélité se heurtent à des adversaires puissants et rusés qui réclament notre allégeance. Nous savons où se tapit le mal, parfois bien au chaud en nous, très attrayant et très séduisant. L'itinéraire à l'écoute des prières de Jésus ne nous permet pas de nous soustraire à la tentation, mais il nous donne les moyens de vivre fidèlement et de faire les bons choix au milieu même des tentations. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Lorsque la mise à l'épreuve s'annonce et que le malin s'approche, la prière de Jésus nous laisse la promesse de Dieu en qui nous plaçons notre espoir, car son désir n'est pas de tenter notre faiblesse, mais de racheter notre vie. Puissant et tendre Rédempteur, s'il m'arrive de m'éloigner de toi au moment de la tentation ou lorsque le mal m'assaille, attire-moi de nouveau à toi. À ces moments difficiles, sois à mes côtés pour me redonner du courage, fortifier ma volonté, m'aider à me confier en ta grâce. Amen. Exercice spirituel. Mettez à part au moins 10 minutes pour être seul. Formulez à voix haute cette requête du Notre Père, puis observez un moment de silence. Y a-t-il un mot ou deux de cette requête qui trouve un écho particulier dans votre esprit? Lesquels? Répétez la requête à voix haute, marquez un temps de silence. Quelle situation particulière de votre vie ou de la vie de votre assemblée vous vient-elle à l'esprit?
pratiquer plusieurs fois de suite cette séquence de prière.